quoi, en fait, votre statut au lieu de l'administration ? Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau. Vous l'avez rencontré comment, vous, Jacques Billard ? Jacques Billard, patron des stupes. On laisse passer les trafiquants aux frontières. Et on suit la drogue. C'est quelqu'un que je considère comme mon frangin. Il a fait de l'office l'État français, hein, donc. Hein. Le plus grand trafiquant du pays. Et moi, j'ai été témoin de ça. Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire ? On est ni dans de la corruption, ni dans une bavure personnelle. On est au-delà du scandale. Exactement. On est vraiment sur une affaire d'État. Si on sort quelque chose de cet ordre-là, il faut savoir qu'en face, ça va secouer. Votre informateur a 7 tonnes de drogue dans des camionnettes, même pas fermées à clé, en plein Paris. Et vous n'en savez rien. Quelque chose marche enfin pour lutter contre le trafic. Vous, vous êtes de quel côté ? Je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que je suis ni un flic, ni un voyou, et encore moins un trafiquant. Tous les SMS que j'avais avec lui viennent de s'effacer sous mes yeux, là. À l'instant. Comment un tel trafic de stupéfiants a-t-il pu se monter au nez et à la barbe de la hiérarchie ? Par complicité, complaisance ou incompétence ? Tu vois pas que t'as tout le monde contre toi ? C'est toi qui te fais infiltrer par ton petit. Moi, je me fais infiltrer. Et ouvre les yeux, poteau ! On va faire péter la République, voilà ce qu'on va faire. Stop, on arrête là. Tu sais les risques que je prends pour toi ? Comment tu vas t'en sortir cette fois ?